Salut à tous, c'est Capitaine Flamme en compagnie de Metaphase. Salut Meta. Salut Capi, salut tout le monde. Et nous allons encore une fois vous commenter ce soir le 17 août un combat du Ghoul Terminator qui va opposer Buorado A contre Rushu D. Donc pourquoi on a choisi ce compo? Bah, c'est parce qu'en fait je viens seulement de rentrer et tous les combats qu'on avait prévu de filmer bah, sont forfaits. Donc c'est assez dommage. Si même ça fait forfait, Forfait ou s'il veut très long et très ceci. chiant donc. Voilà. Donc on a un autre combat aussi, mais que j'étais pas là, c'est Meta. Donc on va vous le commenter après, mais ça s'est passé avant. Je sais même pas c'est quel combat. C'est C'est Sylve. du Sylvos D. C'est pas un combat exceptionnel mais bon. C'est du Voilà. rapide et puis voilà. Donc on a choisi ce combat parce que ben, y a un roublard d'un côté. Du SRAM. Voilà. Du SRAM des deux côtés. Attendez, je cherche les compos et je vous les Et dis. du Yop, donc je pense qu'il va y avoir du Rox. Il n'y a pas de Voilà, Féca donc du pour être côté très de chiant dans le Rushu, global. Rushu qui est en bleu, nous avons Ouais. MS Chips, la roublarde remplaçante. Rushu qui a quand même fait une écrasante à leur premier combat et une victoire parfaite à leur deuxième. Litoris qui est aussi le remplaçant, le Yop. Elkarim qui est aussi le Nini remplaçant. Et Syntaxa qui par contre est le Yop principal. Enfin officiel on va dire. Et je vais laisser mes tacs parce que maintenant il peut bouger ma souris pour vous présenter le reste. Voilà. Donc du côté de... C'est quoi ce serveur? Buorado. Je te dis juste si c'est les D'accord, je connaissais. remplaçants. C'est un Donc serveur anglais. Los Amodas, Gossifu et Principal. le club principal, la SRAM Zakura. Ouais, c'est le bon aussi. Ok, donc grade 10. Allman XX, la Sadidette. Aussi principal. Elcrash, je pense Aussi aussi. principal. Et Osmarin, ouais, c'est Osmarin. ça. C'est bon, Le Cra. on a la grosse team du côté de Rushu. De Burodo, par contre, Burodo a fait aussi. Ils ont fait une écrasante au premier combat et une parfaite. Ah non, je confonds. Ben non, ils ont fait la même chose tous les deux. Donc, en fait, ils ont fait chacun une écrasante. Sur la. Attends, je m'explique. Rushu a fait une écrasante à Vas-y. Dark Vlad. Et en fait, la Ouais. poule c'était Dark Vlad, Bolgroth, Rushu et Buorado. Et ils ont fait tous les deux une écrasante à leur premier combat et tous les deux bah, une parfaite au deuxième combat. Donc là, ça doit être un assez gros combat des deux côtés parce que c'est. Ça va être un beau combat, Voilà. ouais. Donc, on va faire C'est deux bonnes équipes. un petit tour sur l'hérésie. S'il veut bien ne pas bouger. Donc le SRAM qui a des Le belles SRAM. résistances. Bonne résie, ouais. Zakura aussi des belles résis. Enfin Ça va. bof, des résis fixes Bah, 10 partout quoi. partout, quoi. 10 partout fixe, ouais. Par contre le roublard, Super bonne oh résie. là là, des grosses résis fixes. À mon avis Ouais, ça ouais. pue le boucle les trophées. Ouais, je pense, ouais. Wallman qui a des belles résis bien Pas fixes. mal, pas mal. Ouais. Syntaxa, oula, Ouh oula. là là, fallait va pas falloir la taper de terre, hein. Ah non, là 46%. Ah ouais. Pas mal. Osmarin aussi des très belles résistances en terrain et en eau. Elkarim des belles résistances eau et neutre. Et aussi des belles dans les autres, mais bon, il a rien comme résistance fixe, à part le Bah, neutre contre et l'eau. Ralatoche, quoi, je pense que la Yopette adverse est à la Toche, donc elle va Logique, bien ouais. la contrer. Et alors, Gossifu. Oula, l'hérésie. Ah bah oui, hein. 46 terres, 41 eaux. Donc, à mon Les avis, Osai la nous ont team d'en montré face. des belles Dis-moi. résistances hein, au cours de ce Ghoul Terminator. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas ce qu'ils ont pour des. Mais je crois que c'est la Panolétaline qui donne des résis pareil. Je pense, hein, je dis peut-être des conneries, je vais regarder sur le côté, je vais te laisser. Panolétaline, elle donne beaucoup de sagesse surtout. Bah ouais, des coups critiques et beaucoup de vita. Donc là par contre, vous pouvez voir le roublard qui a posé ses 3 bons. 761 de vita, les bons. C'est assez énorme quand même, donc Un roublard qui est presque à 5000 de vie, hein, donc c'est assez énorme. Ouais, et je pense qu'elle joue multi-éléments parce que c'est pour ça qu'elle a placé ses 3 bons. Et à mon avis, elle va choisir une des 3 pour pouvoir faire ses murs. En Par fonction rapport du à placement de comment. l'équipe Ouais, adverse. voilà, c'est ça. Par contre, on Donc avait là, quelque chose à vous annoncer, c'est que peut-être, c'est pas encore sûr et certain, mais peut-être on va avoir un regroupement de chaînes
Ah oui. Donc mets ta phase, je t'expulse et moi, on va en fait, soit on continue sur ma chaîne qu'on va peut-être renommer, soit on en refait une nouvelle où on va mettre tous les trois, enfin nos on vidéos à verra trois. ça. Bon, c'est pas encore sûr, mais c'est possible que un jour, on va dire, il y a un genre de partenariat entre nous trois. Voilà. Voilà, donc on y aura des vidéos tous les jours, même enfin beaucoup beaucoup de vidéos tous les jours. Voilà. Donc voilà. Faut aussi qu'on se regroupe sur un même serveur, ça sera plus tard Ouais. hein, parce que ça coûte assez cher. Voilà. Enfin voilà. Et aussi, petite nouvelle, j'ai commencé en fait à rejouer Massacree. Je l'ai repris hier, elle était niveau 138, là elle est 143 quand je suis parti. Elle est full sassa et je la monte à la bourgade. Comme je t'expulse, en fait le Sacrir qui est monté 200 à la bourgade. Et bah, j'ai suivi ses conseils et franchement je suis pas déçu en jouant. J'ai joué peut-être quoi 3-4 heures, mais vraiment pas comme d'habitude. Je fais ça, mais je glande en fait. Là j'ai vraiment XP pendant ce temps-là et franchement c'est monstrueux. Je vais sûrement vous faire des vidéos explicatives par rapport à ça. Surtout que tu XP tout seul, donc ça c'est vraiment bien, il n'y a pas besoin Ouais, de j'ai pas recruter, besoin, etc. voilà. Mais je peux aussi XP en groupe, hein, c'est XP encore plus, mais ça met un peu plus de temps. Mais comme ça, comme mon frère et tous ses potes, bah, ils ont des mules entre guillemets pour le moment, bah, c'est XP vraiment pas mal. Mais tu vois, quand je t'ai dit que je partais tout à l'heure, là, quand j'étais. Eh ben, il y a mon frère, il était en train de se laver, donc je suis allé sur son PC, j'ai fini un combat, et il avait pris Massacree. Et on était au. Comment ça s'appelle La forêt, je sais plus comment, à Frigost, avec les caniglous et tout ça. Et il y a un Ah ouais, je vois. combat, bah, j'ai pris 5 millions, quoi. Un combat avec 3 Ouais. étoiles. C'est énorme. Ouais, il y avait un autre Sacri avec nous, aussi un pote à mon frère, au Brageux, qui était assez violent, au passage. Je pense que moi aussi, plus tard, je vais essayer de faire un Sacri plutôt au feu. Anglour? Hop, je sais pas. Ou Peut-être plutôt voile d'encre. en old school quoi. Ouais, enfin un truc bien sympa quoi. Là on va quand même Bah un faut peu parler savoir. du combat. Ouais ouais ouais, c'est vrai. Bah t'allais dire quoi? Non non, je disais que enfin les sacrés les plus puissants c'est les air et les feux. Enfin les air, terre, feu, voilà. Les hauts faut éviter. Voilà. Pourtant les hauts on va dire c'est plus pour vraiment XP. Une fois que t'as atteint le niveau que tu veux, bah, on va dire le haut bah, c'est moins intéressant je pense. Ah ouais, je parle du PVP, ouais, c'est sûr. Je regarde si on peut Encore le avoir des bug, hein, le infos. bug d'affichage, regarde bien. Ouais. Plusieurs personnes qui jouent en même temps. Voilà, SRAM qui se booste. Donc il fait pulsion de chakra plus concentration de chakra. Alors, Littoris, on peut pas voir non plus. La roublarde qui va placer un mur de bombe, j'espère. Voilà, une dague boomerang pour taper la gonflable. Je crois qu'il a tué la gonflable en même temps. Je suis pas sûr. Donc voilà aussi, on a trouvé une nouvelle, entre guillemets, manière de pouvoir commenter nos combats super facilement sans que les PC soient trop surchauffés. En fait, on fait ça avec TeamViewer, donc comme ça, on peut chacun bouger la souris. Et on peut avoir très facilement et on prend le compte on va dire une fois sur deux, comme ça on fait les rendus, on va dire on fait deux combats rendus sur deux PC différents, donc une fois chez Meta, une fois chez moi, et comme ça on peut vous proposer plus rapidement les vidéos du Goulta. Voilà, donc on augmente la qualité Voilà, et ça se passe très bien, hein, on a c'est vraiment bien. cherché, ouais. En plus là vous pouvez voir que la qualité elle est en haute en fait, parce qu'avant je mettais en moyenne. Comme là, ben, on n'a plus besoin de Skype et tout ça, on a tout avec TeamViewer qui prend vraiment pas beaucoup de place. Et ben, on peut augmenter la qualité et j'espère que ça va se faire ressentir. Ouais. Puis on s'est bien fait chier, hein, parce que Google Plus et tout ça, on a bien Ouais. testé et non, vraiment. On a même testé les lives sur YouTube, mais c'était pas la qualité qu'on voulait. On essaiera hein, d'en faire, hein, mais pas pour plus tard, hein, quand Ouais, voilà. On on essaiera de maniera bien le truc. se préparer plus à l'avance, on va dire. Voilà. Donc le Doppel Sadie hein, qui va encore invoquer, comme d'habitude, un très bon Doppel. Par contre, là, je suis tombé sur la page perso de la SRAM de...
de Rushu. Donc elle est en panneau Fuji avec un Gelanope APM, une Razbul RPA et un ocre. Oui, ocre, Kawot 41, Calyptus 19, Tutu 17, Ravageur neutre majeur, Ravageur R majeur, pardon. Une ouais, crâle à mention. Que, comme je veux, quoi. Une crâle à mention et un marteau racle au corps à corps. Neutre. Ah bah c'est mon futur stuff, voilà, sauf que moi je suis pas au Brel, quoi. Et elle est en 12-6 avec beaucoup de coups critiques, 48 coups critiques quand même. Faut savoir que le rack c'est un bon marteau parce que c'est. Bon il est similaire au. Il est similaire au comment au Brel hein, et il tape en zone en plus donc c'est vraiment un bon marteau. Oh, on me l'a conseillé, le problème c'est que les conditions c'est 200 force, 200 agi quoi, donc c'est vraiment à jouer avec une panneau bi-élément comme la Fuji qui est une très très bonne panneau. C'est sûr. Et que je suis en train de plus en plus regarder pour peut-être un futur stuff. Moi j'avais pensé peut-être un stuff au 1 sur 2 au marteau Rennes. Je sais pas si c'est possible avec un roublard, j'étais arrivé à 1 sur 10 plus ou moins. Et c'est ça 75 CC hein. 70 je pense que c'est. Ouais ou 75 je sais plus. Enfin, franchement ça avait l'air pas mal. Donc là toujours les teams qui sont avec la Nini. Mais c'est vrai par contre que le bâton Brel, parce que je pense que les bâtons c'est la deuxième arme entre guillemets de près. Ouh là par contre il y a un ouais. Perso qui s'est fait comme. Non c'est le double. C'est le double. Une épée de Tomaï sur le double. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi il fait ça, je crois qu'ils sont en train de se placer mais c'est assez bizarre qu'il garde. Non mais surtout que le double est super bien placé parce qu'il bloque la ligne donc elle essaye de le tuer. Ouais, elle a quand même 3300 points de vie plus des résides de son invocateur donc là Burado qui est en train de gérer Rushu de loin. Ouais. Je pense pas qu'on va avoir Drone écrasante malheureusement mais ça peut être franchement pas mal. Le Doppel Ossa qui a été invoqué. Le Doppel qui nous étonnera toujours. Hein. Voilà le Doppel Ossa, la révélation de ce tournoi. La star du tournoi, on va l'appeler. La mascotte. Ouais, la mascotte. Donc, par contre, je crois que moi je vais vous demander peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment marche le site d'Officebook. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et je vais peut-être vous demander d'essayer de me concocter des stuffs pour mon roublard pour les 12 niveaux qui restent à venir, donc enfin jusqu'au niveau 200, des stuffs qui pourraient gérer. Donc encore une fois, essayez pas de me proposer, mais de toute façon je vous expliquerai bien ça, mais il y a un gars qui m'a proposé de faire un roublard terre. Bon, j'ai pas été méchant, mais je lui ai répondu assez sèchement, enfin, je sais pas comment on dit, que c'était pas possible, même si c'était peut-être une bonne idée, j'en sais rien, mais je vois mal un roublard à la carie, hein. Par contre, ça pourrait faire mal, mais je sais pas. Je non, vois pas l'intérêt. Que le plaisir, c'est d'utiliser ses bombes, et si t'es terre, tu pourras pas, à part si t'es multi, là peut-être, si t'es terre. Peut-être en Fuji, taper avec un voilà, peut-être en Fuji. Je sais pas, faudra vraiment y réfléchir. Mais bon, à la base, je vois pas l'intérêt quoi. Sauf si c'est vraiment pour jouer 100% bombe et reste. À la base, moi je te conseillerais c'est RO. Mais O c'est bien, mais pas à haut niveau, je pense. Vaut mieux jouer avec les. Soit feu pour vraiment faire énormément de dommages, soit R. Ouais, voilà. R c'est un très bon. R feu alors. Ouais, R feu ça peut être pas mal. Mais là je me suis concocté un petit stuff que j'ai parlé avec, comment elle s'appelle c'est pas Blue Fire, c'est la Hérésia, voilà, la ouais. La sacrieuse de Joel, c'est ça? Non, pas de Joel, de Crocoburio, voilà. J'ai oui. Parlé avec elle hier soir et on a un peu, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas de parler un petit peu d'un stuff pour mon roublard, elle avait dit pas de soucis. Et je me suis concocté un petit stuff feu, niveau 197. Avec l'épée d'Otomai, j'arrive à 870 d'intelligence, 86 dommages feu, 10 PA, 6 PM, 6 PO, 41 coups critiques et 3748 de vie.
Ouh, pas mal. Et avec des résistances assez monstrueuses, je vais te les dire. Alors, pas mal, pas mal. 13% neutre, 23 terre, 30 feu, 30 eau, 23 air. Les résistances ah oui. en pourcent. Hein. Ah oui, et en fixe, et ça fixe. Fait. Fixe, c'est 20 eau, 20 neutre. Et t'as compté les. Non, j'ai pas mis de trophée. Bah voilà, donc c'est encore mieux. Par contre, j'ai réfléchi tantôt à ce que tu me disais pour le roublard, peut-être faire sauter un trophée ou deux pour mettre l'hérésie. Oui, voilà. Mais franchement, je sais pas encore. J'hésite. Donc, tu sais que tu vois, je tape que ça. Ouais, faudrait qu'on regarde ça un soir ou quoi et que. De plus près, ouais. Et comme maintenant, on peut entre guillemets jouer à deux sur le roublard. Mais ce qui serait même pas mal, c'est que comme on s'écrit, il sera un peu plus HL quand on fera du colis avec. Comme avec tes viewers, tu pourras même peut-être le contrôler, comme t'es plus, on va dire, tu connais mieux les sacris. Parce que une compo sacri roublard, ça peut être très violent. Oh bah c'est, la meilleure compo c'est pour le colis, hein. c'est sacri roublard the ball. Ouais voilà. Bon, après, ou alors panda sacri roublard, ça peut être violent aussi. Donc, je sais pas si le combat il se passe pas grand chose. Ouais. Je sais que je suis en train de regarder, mais je regardais pas grand chose. Mais ouais, la vitalité ne baisse pas depuis tout à l'heure. Il n'y a pas encore de mur de bombe qui s'est formé, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on va arrêter de discuter quand il va se passer quelque chose. Ouais, quand il va se passer. C'est parce que là, on essaie de meubler un petit peu parce qu'il se passe pas grand chose, mais. Les bombes qui continuent de grossir. Ouais, enfin, il a placé deux tornabombes, donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais ce qui est bien pour un roublard, c'est qu'il peut facilement changer d'élément, quoi, parce qu'il n'y a pas grand chose comme sort à changer en fait. Bah, c'est comme un sacré aussi. Hein, ça, pour c'est... Imagine si ça se trouve, il a fait un élément par combat, quoi. Donc les autres, ils l'ont vu premier combat, ils font bah, ça va, il est feu. On va s'équiper résistance, ouais. Mais. C'est clair. Non, mais ce que je pensais avec ton sacri là, ouais. C'est que si t'as envie, t'es full ça. Ouais. Quand tu vas arriver niveau peut-être 150, tu vas vraiment avoir envie de jouer avec ton sacri. Tu pourras, ouais, tu pourras l'eurostat. Ouais, et mais puis après, une... quand on aura marre, t'as deux orbes. Ouais, j'en ai déjà utilisé une. Donc j'en ai encore une pour quand je veux changer quoi. Ah, ok, d'accord. Bon, mais je crois que je vais quand même le laisser sagesse au moins jusque 170, 180 pour qu'il s'approche du niveau du roublard, quoi, tu vois. Ouais, pour ouais. Pas avoir des teams trop. Trop espacés, on va dire. Ah, donc la SRAM qui a tué la bombe qui a bien fait. Hein, qui a bien compris qu'il fallait tuer les bombes des roublards. Voilà. C'est vrai que plus on avance dans le tournoi, plus les gens commencent à s'en méfier. Bon, en même temps, il serait un petit peu temps, on va dire, mais... Bah, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, les roublards. Encore que les gens comprennent pas le système des steamers, je peux comprendre, mais des roublards et des obals, ça fait quand même... je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont sortis? Mais on va dire, les roublards de base, ça fait un an, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé en amont. Il y a eu quand même beaucoup de mises à jour, je trouve. On a même eu un moment, on avait, mais ça c'était sur la bêta, on avait deux bombes du même élément par tour, plus les murs de bombes. C'était monstrueux, je te jure, je prenais mon pied à jouer comme ça. Il y avait H explosif, je sais pas si tu connais, enfin explosif qu'elle s'appelle, mais je dis toujours H explosif parce que comme ça je sais c'est laquelle. Mais elle avait fait un combat de PVP, elle était full R, elle s'était mis 1000 en R et premier tour avec ses murs de bombe elle faisait 500 quoi. Puis après plus les aimantations en fait, un sacré avec 6000 de vie elle le gérait en deux tours quoi, tu vois, donc, la tuerie. Ouais non, c'était un peu abusé à ce moment là. Ils l'ont vite enlevé hein, mais je crois que j'ai eu le temps de faire une vidéo là dessus tellement que c'était abusé. Ouais, j'irai la voir d'ailleurs. La Sadie qui continue hein, de tuer bon, j'arriverai jamais à dire le nom du serveur, c'est quoi déjà? Buorado qui continue de tuer les bombes de la roublarde.
Bon, ils sont en train d'avancer, reculer, d'avancer, reculer. Ils savent pas très bien. Et une grosse bombe en train de grossir. En fait, le tout, c'est de pas laisser du tout de bombe. On va dire, même s'il y en a 3, c'est déjà trop tard. Même 2, non, 2, c'est déjà trop tard. Parce que tu vas t'acharner sur une. Tu vas utiliser presque toutes tes PA pour la péter. Tandis qu'il y a encore l'eau. Donc, comme ils savent te bouger facilement, c'est un peu, ils sont un peu dans la merde. Puis la classe roublard, c'est une classe de placement aussi, hein, faut le savoir. Ouais, c'est la classe de placement par excellence. Avec le sacri, puis c'est tout. Hein. Le steamer maintenant aussi qui peut un peu placer. Ouais, mais c'est plus entre guillemets aléatoire, on va dire, parce que tu sais pas vraiment le mettre où tu veux comme un roublard et un sacri, quoi. C'est sûr. Parce que le sacri, t'as quand même plusieurs sorts de déplacement. L'autre, t'as l'attaque tirelle, voilà, il va le pousser, mais c'est tout. La Yop qui allait roxer la Sadie en lui mettant 20% d'érosion pendant 2 tours. Donc là, faut qu'elle fasse gaffe, hein, parce qu'elle va se faire assez rox si le Kra et la SRAM. Elle va se faire Pouned. Ah ouais, là ça risque, ouais. Il a combien de vitalité? 4000, hein, ça va quand même, hein, pas mal. Oh, regarde la vitalité max. Putain, 5013. Et mais il a des résides de malade. Ah ouais. Faudrait qu'ils avancent au CAC un peu là pour qu'il y ait un peu d'action. Parce qu'on est bientôt au début du 5ème tour, il s'est pas encore passé grand chose. Ah non, mais ce soir les combats ont été très très lents. Tour de l'Osamonas. Le sac est une classe que j'aime bien, que j'aurais bien aimé jouer PVP. Bah, c'est assez violent, on va dire, comme classe. Ah. Parce que tu peux avoir. Le problème, c'est que soit tu te tapes sur les invoques pendant que t'as l'Ossa qui te tape, soit bah, tu tapes l'Ossa, mais pendant que t'as les invoques qui te tapent. Donc c'est comme s'il y a deux persos qui jouent en même temps. Puis les invoques, attends, elles tapent, mais elles enlèvent des PA, des PM. Regardez là, hop là, moins de 2 PA. Hop, elles désenvoûtent, elles tapent. Enfin, c'est vraiment et elle booste en plus, une classe complète. C'est une classe complète, l'Ossa. Bon, l'Ossa est pas capable de placer, ça c'est sûr, mais elle est capable de bloquer, hein, ça c'est. C'est une belle saloperie. La Yop qui est mal en point parce qu'elle est désenvoûtée, elle a moins de PA, elle est bloquée par l'arbre. Mais elle est du côté adverse. Donc est-ce qu'il y a une Coco qui est préparée? Oui, Coco prochain tour. Donc la non, ça va être même à ce tour-ci. Ouais, c'est à ce tour-ci. Là, ça dit. Donc c'est vrai, elle est pas boostée. Et elle est en 12. Ah non, elle est pas en 12. Donc elle va pas pouvoir faire un bon. Et la Sadie, elle est déjà au avant. Donc elle va lui enlever tous ses PA. Tous ses PM, excusez-moi. Donc non, elle va pas réussir à mettre sa Coco. Hein. En tout cas, c'est assez facilement contrable. On a remarqué ça déjà au combat hier que. Bah, quand ils sont à 4 contre 4, bah, on va dire une Coco, ils savent plus facilement la contrer parce que c'est. Ils savent, ils la voient arriver comme les combats sont assez longs et comme. Mais là ça va encore parce que hier c'était Feka, des trucs comme ça, donc c'est facilement contrable, on va dire. C'est la pupu qui est difficilement contrable. Ouais, là la punie, on sait rien y faire. Ça, quand elle tombe, elle tombe. Hein, ouais. Et puis elle peut tomber plusieurs fois, donc ça fait très très mal. Donc là, la bombe à gauche qui est très 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 grosse, qui va faire très mal. Elle a encore 760 de vitalité et elle replace une bombe. C'est pas ce qu'elle va essayer de faire. Donc elle se booste. Donc là, la Sadie que je disais qu'il va, je pense, enlever tous les PM, hein, pour éviter la Coco. Donc
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape. Consensuellement peut-être. Oh, logiquement. Oula. Est-ce que là c'est... Elle a les PM, elle fait herbe folle, elle perd pas de PM, aïe aïe aïe. Elle a encore 5 PA, elle a encore 5 PA. Oh putain. Ah, bien joué de sa part. Ah, parce que là sinon elle était morte. Donc je pense qu'elle va tuer le dragonnet hein, rouge. Pour pas perdre sa coco. Ouais, c'est vrai que c'est assez bien contré. Il y a beaucoup de teams qu'on voit qui jouent vraiment tous sur la coco et que le reste, ben on va voir quoi. Donc là, à mon avis, ils sont en train de lui dire de revenir, d'accord. Ouais, même pas, la tape dans le vide carrément. Elle la tape dans le vide alors. Ouais, parce qu'elle elle va éviter de se rapprocher quand même. Là, le cinquième tour est passé pour la coco, donc on n'aura pas de coco avant. Ouf. 4 tours. Ouais, 4 tours. Oula, attends, il y a deux cocos qui sont prêtes. Bah, c'est celle de ce tour-ci en fait. Ok. Donc, par contre, il y a le Litoris et le SRAM, je pense, ouais, qui est en attente du joueur. Ils ont un peu lagué, mais ça veut pas dire qu'il s'est déco. Hein, donc. Le cra. Et on peut pas bouger. Il ne tend la bombe. Il tue la bombe. Avec quoi les objets de Litoris. Je prends encore une minute de boule de Noël et toi. Le mini autoboule de Noël, tu l'as déjà fait? Non. J'ai déjà combattu mais je l'ai pas gagné en fait. Moi j'ai déjà fait, franchement j'aime bien ce boss. Moi j'ai gagné le bouclier du coup. Bah ouais, mais en fait j'avais un... Avec un pote on jouait, un pote de l'école, on avait une team, enfin il avait plusieurs persos HL qu'il a transféré sur... sur Summons, d'ailleurs je les ai encore. Et il avait, lui avec son panda, bah il avait lancé le combat et c'est moi qui avais pris court. Donc j'avais terminé en fait le Minotaur, mais c'était pas moi directement quoi. Et il y avait un panda que je peux toujours avoir, donc c'est ça que j'imaginais peut-être quand le sacri bah, sera bien optimisé et tout. Et le panda est 197 je pense, donc peut-être une team de colis THL, ça peut être pas mal. C'est clair. Et super chaud hein. Ouais, il fait vraiment très chaud. Oh la vache. Bon, pas trop d'action dans ce combat, c'est décevant. Ouais, bah, le combat qu'on attendait a malheureusement forfait. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 forfaits aujourd'hui, donc... À mon avis, il y a Sylph qui va encore se fâcher. Bah, il a raison, hein, faut. Non, mais moi, je serais à leur place en Kama. C'est peut-être plus de remplaçants, tu vois. Ouais, soit déjà... plus de remplaçants et des sanctions quand des gens abandonnent, qui veulent pas jouer leur match. Une sanction comme ne pas être, enfin être interdit de Ghoul Terminator l'année prochaine par exemple. Ouais. Moi je trouverais ça logique. Parce que là les gens n'ont pas envie de jouer, tiens je vais pas jouer, j'ai la flemme, de toute façon on sait qu'on a perdu, donc ils jouent pas. Mais du coup l'équipe qui devait les enfin l'équipe adverse n'ont pas maximum de points quoi. Ils peuvent pas tenter la parfaite ou l'écrasante. Donc ça c'est vraiment parce dommage. Parce que des fois l'écrasante c'est quand même important. On a pu le voir avec Summons par exemple. Qui eux, bah, sans l'écrasante ils auraient pas réussi à se qualifier. Et par chance ils y sont arrivés. L'équipe de US-17. Ouais. Ils les ont poutrés. Ouais, un beau combat que on vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Qui est sur la chaîne. Enfin, il y a plein de combats qu'on vous conseille d'aller voir, il y a vraiment eu des beaux combats cette semaine. On a été assez gâtés à ce niveau-là. C'est vrai.
La roublarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah. C'est bon, ils vont attirer quelques... Enfin... Il y a un rouble à botte. Ça se présente bien, il y a un rouble à botte, ça se présente bien. Mais il l'a fait vachement loin, son rouble à botte, donc je sais pas ce qu'il va faire avec. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Peut-être ramener la Yop. Non, parce que la Yop elle est isolée là, elle risque rien. C'est bizarre, je comprends pas trop. Ah, si, il ramène la Yop. Et il va la pousser pour les PA, je pense. De la Nini. Mais non, il peut pas. Il a très mal joué là. Faut jouer en tactique, les gars. Je me fais baiser assez souvent pour vous le dire, hein, quand même. Parce que là, en tactique, ils ont peut-être pas vu là. Regarde là. Oh ah, il, ouais, c'est toi qui l'as fait. J'ai eu peur, je vois mon, ma souris qui, ouais, qui clique sur le truc. Elle double qui a contourné l'équipe. Là il y a Kipet qui est plus qu'à la moitié de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est... J'ai éteint l'autre PC. Ah, il y a peut-être qui booste. Ouais, fait des dommages. Non, 200. La flèche punitive qui est accessible, donc à mon avis, le crack qui va faire mal. S'il y a moyen, logiquement sur Lenny, 716. Ah oui, pas mal. Une belle pupu. Surtout qu'elle renvoie 44 de dommages. Mais il a rien repris. Et maintenant il fait... Ouh, une belle flèche explosive. Jolie. Surtout qu'ils se sont placés très mal. Ils sont pas cachés. Ils sont vraiment regroupés, ils sont pas cachés. Donc. Je sais pas. Hein. Pour l'instant, l'avantage... Et pour les rouges, parce que j'arriverai jamais à dire leur nom. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Franchement, je reste sans voix parce que je comprends vraiment pas. Ah, si ça se trouve, à un moment, ça va se. Ça va comment? Ça va se démêler et puis ça va commencer à taper, mais c'est vrai que pour le moment c'est assez. J'espère que le match va commencer, moi. Ouais, c'est clair. Nous on va devoir refaire un Moco. On va devoir refaire un Oxo. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Le bouffe tout. Il booste sa team encore une fois. Pour l'instant, en fait, ils ont fait que se balader sur la map. Hein. Moi je vois ça. Ouais. Et foutre des invokes bien partout. Voilà, ils ont foutu des invoques. Voilà, ils ont planté partout, une forêt. Sans aucune tactique. Pourtant, c'est les bonnes équipes, je comprends pas très bien. Mais c'est vrai que les deux équipes sont déjà qualifiées toutes les deux. Donc, je crois qu'elles prennent pas de risques, elles prennent leur temps. Pour, parce que c'est vrai que les deux autres combats, bah, pourtant, ça a été très vite apparemment. Donc. Et là ils jouent un peu leur vie là, les deux équipes. Ouais, je comprends pas. Ouais, le courbeau qui tape à zéro, magnifique. Ah, le SRAM qui avance. Le SRAM avance. Peut-être faire quoi? Il fait poison insidieux sur la Sadi qui, dans cet état-là, bah, ne peut rien faire. Mais par contre, elle peut prendre les dommages. La KO. Et elle bloque la Sadi. Ouais, il bloque la Sadi. Et il va s'en aller vers sa team. Comme un gros lâche. Voilà. Allez, merde quoi, on veut voir du combat nous. Ouais, c'est clair. En parlant de SRAM, moi je suis en train de m'en créer un. Il est niveau 83 pour l'instant. Et dès que je vais le montrer niveau 120, je vais commencer à faire des vidéos PVP sur, ça avance pas sur mal. Ma chaîne. Voilà. Il était 80 ce matin.
Donc moi demain je pense que je vous ferai la vidéo entre guillemets présentation de mon... Oh, le mode IMO qui a fait, le piège d'IMO qui a fait mal. Le vidéo de présentation de mon sacri, un petit peu vous montrer ouais, de ma sacri en plus. Non, je sais pas pourquoi j'ai que des persos féminins en fait. Parce que je trouve que les skins mâles sont... Enfin ouais. Le sacri homme ça va encore mais il est pas du tout personnalisable. Ouais ça c'est dommage. Non mais la sacri femme c'est, elle a un super skin. Ouais. Le roublard. Le roublard, je comprends que t'es fait une femme parce que le roublard mec il est horrible. Bah ouais, bah à la base c'était un mec hein, jusqu'au niveau 110, je pense, puis hop j'ai changé. Sur ma toute première vidéo sur mon ancienne chaîne, on me voit encore en homme à peu près, c'était assez pas mal. Faut que je vois tes nouvelles vidéos, comment c'était. Les vieilles. Ouais les vieilles, faudrait que tu m'envoies ton ancien. Bah tu mets roublard sur YouTube, c'est dans les toutes premières. Je crois qu'elle est 5e ou 4e. Il y a 40 000 vues dessus. Ah ouais, pas mal. Alors, là ça dit qui invoque encore une fois. Mais arrêtez d'invoquer, allez au cac, bordel. Oh, alors. Par contre, la team de Ruchu qui a plus beaucoup de PM, hein. Je crois qu'ils doivent être dans... Voilà, 3 PM la Roublard. L'Asram, 6. Ah non, c'est lui. 5 pour le SRAM, 3 pour le Yop, 1 pour Lenny. Embalader, on va embalader. Ah, il tente de tuer la surpuis, ça c'est pas mal. Bon, la surpuis qui meurt. Le Doppel qui prend aussi des dommages. Et là, ça dit aussi. Le problème c'est qu'ils restent chacun de leur côté mais ils ont tous les deux un soin. Donc s'ils se font pas beaucoup de dommages, ben... Et le Kra qui va faire un œil de taupe. Et il a sa flèche. Et Métaphase hein. Qui s'endort. Voilà. Putain, allez. Qu'est-ce qu'il nous montre avec ses flèches? Il fait ta flèche d'expiation. Deux flèches d'explo. Et il fait pas sa expi. C'est dommage. Par contre, il y a les trois bombes qui sont posées. Aucun mur a été fait, mais... En fait, je pense qu'il y aurait plus d'action s'il y aurait eu un sacri du côté de Ruchu. Ouais, à la place de Lenny, peut-être. Qui aurait cop ou du SRAM. Et allez, encore des invoques. Allez quoi, il y a une grosse bombe utilisée là, merde. C'est clair. Surtout qu'il a utilisé son roublabot pour attirer la... Là il devrait déjà la voir. C'est tous les deux tours le roublabot. Ou tous les trois tours, je sais plus. Je crois que c'est tous les trois tours. Et voilà, le lapino qui est déjà mort. Bah si tu regardes bien... C'est une map assez mal foutue puisque ici on peut pas attirer avec le roublabot. Ouais. Mais ici. Mais il y a beaucoup de maps qui. Les teams roublards, bah, ils sont. Enfin, elles sont pas obligé d'aller là quoi. Ou prendre par ici, mais je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Il y a trois bombes un peu partout. On dirait qu'il est en train de préparer quelque chose, mais je sais pas, il fait rien. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est bloquer toutes les lignes de vue ici et passer par là. Mais bon, cette team serait barré par là, enfin c'est le bordel ce match. J'espère qu'il y aura quand même un vainqueur parce qu'on est au 7ème tour, il s'est encore rien passé. C'est au bout du combien de tour qu'il y a 20, match nul. Au 20ème enfin... tour c'est match nul. Allez, nous on veut voir du Rox quoi, merde. Ah, la SRAM qui est pas loin des bombes. Ils cherchent peut-être le match nul hein, puisqu'ils sont tous les deux qualifiés. Bah s'ils font match nul à 4 contre 4, ça fait 32 points chacun. Parce que c'est vrai que pour le moment ils cherchent vraiment pas à faire des dommages quoi. Allez les anglais là.
Y'a les chiots chez vous là, montrez-nous Voilà. À part la SRAM en fait, y'a personne qui cherche à faire des dommages. Si un peu le CRA. Mais il s'acharne vraiment sur, Lenny. Bon, on comprend pourquoi, mais bon, comme ils font pas grand chose, Lenny qui peut facilement se ressoigner. Et voilà, un deuxième double. Et encore un autre double. Qui va sur le double du SRAM. Ça par contre je pense qu'il avait pas prédit. Il est en train de se dire mais merde. Mais il est en train de se dire fuck. Fuck. Tour du roublard, allez, fais-nous quelque chose de grand quoi. De grandiose. Mais évite les pièges. Mais j'ai peur que la SRAM ait miné la... le chemin en fait, pour pas que les bombes puissent être bougées. Putain non. Mais tape! Fais des murs de bombes, même moi je joue mieux bombe quoi, abuse pas quoi. C'est clair. Pourtant je te jure que j'ai été une dope pendant vraiment longtemps, hein. J'utiliserai vraiment pas mes bombes. Ouais mais quand t'as goûté à la bombe... Mais c'est ça quand même. Tu t'en passais maintenant. On va dire au tout début je suis passé R, bon il y a quelques jours, j'ai profité du cac. Mais maintenant, quand je vois la puissance des bombes R, c'est oui, juste... Oui, oui. Autant les bombes avec... quand j'avais les bombes à eau, les PA, c'était chiant. Oui, mais c'est vrai que maintenant, quand t'as pas de PM, en fait, t'as beau avoir des PA, tu te fais pas faire grand-chose. Les PA, ouais, bon, t'as toujours des PM, donc tu sais sortir du truc. Mais là, quand tu sais pas sortir, et que t'as pas un sort genre bon ou des trucs comme ça, t'es dans la merde. Ou tu te retrouves à 1 PM, donc quoi que tu fasses, tu te retrouves dans le mur après... T'es dans la grosse merde. Ouais. Oh. Hey Capi, mets-nous un documentaire sur les crustacés, ça va être plus intéressant. Maintenant, une interlude, un documentaire sur les homards. Sur les crustacés. Nous allons commenter un documentaire sur les homards. S'il veut bien, tu vas nous montrer Omar Sy. La pêche au homard. La pêche au homard. Salut à tous. Ok, on va commenter. Salut à tous, c'est Pêcheur 2000. Capitaine en plus. Ah, excellent. Homme de pont, ça c'est toi. Jean Martinu. On peut voir des clapotis dans l'eau. Le pêcheur qui se prépare. Voilà, il met une jambe et puis l'autre. Oh là là, il se booste, il va bientôt taper, il met son scaphandre. C'est un peut-être un steamer. Oula. Attention, il sort le bateau. Il va invoquer peut-être une canne à pêche. C'est un très bon cac, l'enquête, c'est un très bon cac la canne à pêche. Ça te permet de bien prendre tes cibles. On va peut-être oublier ça, je sais ce qu'on va faire, on va aller voir, on va peut-être faire des dédicaces aux gens, allez. Il y a déjà oui j'aime. C'est pas mal. Voilà, on va faire des dédicaces. One shot. Alors, Capi, tu gères, tu peux nous faire 2 colis par jour s'il te plaît. Garde l'engourdisseur, 16 retraits PM, ça fait vraiment la différence. Dédicace à toi. Pas mal, j'ai adoré le dernier tué. Ah, c'est lui. Ah ouais, New Domain. Un peu fou, mais franchement, un bon youtubeur. L'écoute pas, enlève pas Dodo Kawot. 4 retraits et esquive PAPM. Ouais, une vidéo de Capi. Dédicace à vous tous. Voilà. Boum, da, 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 da. Alors, oh, il y a eu un... Merde, j'ai vu 900, j'ai cru qu'il y avait du rocks, en fait, non, c'est le fouet. Donc, les invocations qui font le plus de dommages depuis le début. Hein. Le double qui est comme mec a plus que 1304 points de vie, attention. À quel tour on est, Gabi? Au 8ème.
Et où tu vois ça? Ici. Ah, okay. Ah ouais, j'avais jamais vu. On est au 9ème tour. Ouais. Un double. J'avais jamais vu quoi. Je joue à Dofus depuis 6 ans et j'avais jamais vu ça. Sérieux? Bah oui. Bah c'est que depuis la 2.0 qu'il y a ça. Mais utilisez vos bombes, bordel, j'en ai marre là, putain. Sacrifice. Ah ouais, non mais laisse tomber. Regarde les dommages, regarde la vie des... Ils ont... Attends, nos 9ème tour. Y'a que l'IOP qui a perdu aller 1000 PV. Ils vont un se peu balader. Plus. Ils vont se balader. Ils vont se balader et ils vont rien branler. Ils là sera... Oh putain. Oh oui. Ça commence. Oh, oui. Oh ça commence magnifiquement les PV. Ah mais attends, c'est eux qui se prennent les... leurs murs. Non, mais c'est... Ouais. Donc je disais juste que là IOP. Oula. Bon en fait le moindre dommage on va gueuler maintenant. Ouais. Oh ah, putain. Merci la IOP, la dédicace à toi. Non, c'est pas là, Yopet, c'est la SRAM. Merci de te faire défoncer. Par contre, la Roublard qui va pouvoir placer la SRAM dans le mur. Oh là là, merci Zagwa, merci. Putain, elle saura même pas la remettre dedans, quoi. C'est un Roublabot. Oh sors ton Roublabot, fais une bébé, sors ton Roublabot, dépêche-toi. Même si c'est pour faire 3 dommages, tu t'en branles. Mais tu t'en branles. On veut voir du dommage, nous, putain. Putain. Allez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je te jure, s'il écrit misclic... Ah bah, c'est un truc inutile. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Elle là, va nous sortir The Coup. Elle fait un truc chelou. Et là, elle va passer son tour. Oh, mais t'as rien fait. T'as la meilleure invoque du jeu. T'as les meilleurs sorts du jeu. Et tu prends rien. Et en plus elle a même pas bougé la yopette de son glyphe, hein. Rien à foutre. Hein. Et là ça dit qui invoque. Je me tape la tête contre qui invoque. Suspense, suspense. Une invocation. Une gonflable. La yopette qui va se reprendre 400 comment dégâts. Tu veux commenter ça quoi? Et là, ça dit d'être qui avance, qui invoque encore une fois. Une folle. Ouah. Et elle ne fait rien, magnifique. Elle invoque une folle. La gonflade. Monster kill. Putain. Non mais c'est un défi de commenter un match comme ça. C'est carrément. Torture même. Allez. Oh, elle a sa coco, que va-t-elle faire? Eh ben, elle ne va rien faire. Elle a 14 PA, par contre, elle peut la taper sur la SRAM. Si elle joue bien. Ah non, elle a mis Kaboom sur la Yopette, j'ai rien dit. Mais qu'est-ce que tu branles? Super colère de Yop, qui a fait énormément de dégâts. Elle a littéralement écrasé la case, regarde, elle a fait 2 trous là, on peut même plus marcher dessus. La case qui est complètement écrasée. La case qui a combien. Attendez, je dis ouf, au moins ça. Si je dis pas de conneries, avec un bon et avec 2 PM et un souffle, c'était jouable, non? Il préfère ne rien faire. Ah non, ça ferait trop de dommages autour, c'est pas dans le. Mais oui. dans l'esprit du combat. C'est limite si quand on va poster la vidéo, on va ne regardez pas ce combat, c'est vraiment de la merde. Ah, une bombe qui a été tuée. Bah vous pouvez vous estimer heureux qu'on commande parce que sinon vous serez bien fait chier. Carrément quoi, il y a déjà un combat comme ça que j'avais filmé mais que j'avais pas commenté tellement je m'étais fait chier. Et les gens m'avaient gueulé dessus parce que j'avais pas commenté, je leur avais juste répondu bah si tu veux t'as qu'à le commenter hein. Moi perso 45 minutes de combat pour rien foutre, pour faire un match nul en 20 tours, excuse-moi. Et voilà, ils se re-soignent, donc là, Yopet qui a de nouveau plein de vie. Hein. Oh là là, non mais sérieux, quoi. Quand même, voir des morts revitalisants au Ghoul Terminator, c'est du jamais vu, hein. Je suis désolé. Ouais, c'est clair. Des morts revitalisants en zone, surtout. Non, le pire, c'est qu'il n'y a eu encore aucun coup de cac. Mais ouais.
Si, on a vu un coup d'épée de Tomai sur la bombe. C'est tout. Putain. Par contre. Et Losa, je crois qu'il y a. En fait, Losa qui est resté. Attends, je. Ici, en fait. Ouais. Je vais envoyer un message à Monsieur Chips. Je lui envoie. Can I play? Can you please, please? Rocks, please, rocks. Mets l'accent par écrit, mets l'accent. Comment dire? Our commentary. Bon, faites pas grave à mon anglais, ça fait un mois ou deux mois que j'ai plus parlé anglais, donc ça va mettre un peu de temps. Ah là là, c'est pas sérieux. Non mais là, faut leur dire carrément de se suicider, c'est, ça ira plus vite. Hein. Mais s'ils mais jouent là. Leur... contre eux, ouais. Mais carrément, c'est le seul mec qui a apporté, quoi. Rox et Nini, vous passez le mot, le premier qui nique le Nini a gagné un kebab, enfin je sais pas. Un peu de folie au Goulta, quoi, merde. Et bah franchement, je les félicite pas, les joueurs. Bon, peut-être que le roublard... Non, bah non, il va bouger. Il fait un repérage. Ah. Oh, il va au cac. Oh oui. Oh oui. Une AM, deux AM à 400. Oh putain. 800 dommages en un tour. Ouh, ça continue. 2060 dommages. L'homme du match. Par contre, la roublard, si elle joue bien, elle peut foutre deux personnes dans les murs. Elle met une bombe ici, un roublard bot, attirance. Mais tu crois vraiment qu'elle joue bien? Attirance. Elle qu'elle fout depuis le début du combat. Je veux du MP. Ah merde, c'est pas comme ça en anglais. C'est pas roublard bot. Putain, allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Roublard bot. Bombe. Allez, bombe. On les encourage quoi. Oui, oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Allez. Non, avec ton double bot, tu vas là. Tu avances. Te trompe pas de casse, ce serait con. Oui. Ça commence à être du jeu. Putain. Par contre, elle aurait dû dernier souffle, ça aurait été plus marrant. T'as vu tantôt dernier souffle, ça fait... Allez. Pas, Ruchu, parce que je crois qu'on là. Là. Attirance. Bravo. 633, c'est bien. T'avance de 2. Allez. Non. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Mais c'est pas possible. Non. Putain, j'en ai marre. On va retourner voir les homards, c'est pas possible quoi. Alors, oh putain, j'en ai marre. Non, Capi sort la corde. On va se pendre. J'en ai marre. Oh putain, ça m'a coupé l'appétit ce match. Maman, fais pas à manger. On va s'amuser en attendant. Oh là là, vas-y, un Pictionary. Non, on va faire un pendu, attends. Vas-y, fais un pendu. Ouais, vas-y, fais un pendu. Est-ce que tu dessines bien, Cap? Alors, c'est un... Oh bancal, là. Il va toucher les pieds par terre, il va jamais crever. Attends, j'ai oublié. Allez, puis il me fout la main. Voilà, à ton tour. On va faire peut-être un petit c'est... tour. Que se passe? Oh, une épée toche. Oh, une épée toche. Ouh, une concentration 1600. Ouh là là. Et putain, c'est du jamais vu ça, les gars. Ouh, la punie qui est prête. Bon. Là, franchement, je crois que vous assistez au combat le plus passionnant de ce Ghoul Terminator. En tout cas, on essaie de vous faire vivre comme le combat, mais c'est pas possible. C'est faut vraiment se forcer. On essaie de mettre de l'action dans ce combat, en fait. On essaye, hein, je dis bien. J'espère qu'on y arrive bien. Je pense qu'on y arrive bien, quand même, hein, parce que... Franchement, devant un match comme ça, on a quand même de la patate, hein, parce que... Je crois que n'importe quel autre commentateur serait endormi. Carrément. Donc alors, si ça continue comme retourne. Ça, je vais amener mon oreiller. Tu viens dormir chez moi carrément. Alors, on va centrer le... Bon. Bah, commence. Bah, quelle lettre?
J'ai rien entendu. Où tu passes? Parce que je le fais plus haut, parce que sinon il va se péter la gueule, le gars. Ah, ok. Puis surtout qu'il est bancal ton truc, regarde. Regarde le pied, comment il est. Mais c'est un pied en 3D, regarde. Et c'est bien en plus comme ça. La couleur. Bon. T'as dit quoi? Quelle lettre? Bah le C. Tu as fait un EC pour commencer. Putain, merde. On fait un petit tour. Un G? Ouais. Oh. Voilà. Oh, oh. Ouais. Yes. E. T'es nul. Non, il a 4 bras lui. 4 bras? Eh ouais. Bah il a 10 doigts, hein, donc t'as la marge d'erreur, hein, quand même. Merde. Alors, que se passe-t-il? Rien, comme d'habitude. Alors. Non mais d'abord tu dois faire un bras par un bras, attends. Ouais, désolé, c'est vrai. T'as truqué là, t'as fait les deux bras d'un coup. Ça je te l'accorde, allez, on lui coupe un bras. Voilà, c'est bon. D'accord, alors un T. Yes. qu'est-ce que ça pourrait être? Un I. Eh, j'espère que c'est pas un mot belge. Hein. Non, non. Allez, je vais me suicider, moi. T'es sûr qu'il a que deux bras, hein, parce que... Oh putain, même une poisse a été placée, quoi, carrément, pour faire encore moins de dommages que ce qu'il faisait. Oh là 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 là... Zakura... 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 Ok, alors un B. Ah, voilà. Comme Bob Lennon. Yes. J'ai plus le droit à l'erreur, là. Oh putain. Jack. Double kill. Bah c'est... Bah... Dans les commentaires, mais c'est ça. Mais c'est quand même ça, bordel. Mais je te dis que c'est ça, du con. C'est en rapport avec Dofus ou quoi? J'en sais rien. Oh, carrément. T'es sûr que c'est un mot qui existe? Bah oui. C'est un nom. Mais dis des lettres. Bah ouais, mais là il me reste plus qu'un bras, une jambe et je suis mort alors. Mais non, il y a encore le chapeau, le nez, les deux yeux, la bouche, les doigts, les pieds aussi. Un W. Putain, tu veux vraiment qu'il crève ton mec? Oula. Un F. Comment fuck. Putain. Attends, on va lui mettre alors. Des Nike quand même. Ah ouais, attends, ouais. Des Nike. Des Nike jaunes. Voilà. Un O. Mais tu peux le Bob Lennon. Non, j'ai... Oh, un coup de toche, enfin. Ce sont une intimidation. Okay. Putain, qu'est-ce qu'il fout. Bon, quelle lettre? Un O. Un quoi? O. Elle est en comme... bas. Oh my god. Yes. Bon. Putain, si là tu trouves pas, je comprends pas. Abo. Abo. Qu'est-ce qui finit par Abo? Un mieux un Abo. Un. Un. Bah.
Un ou. Après une lettre en moins. Abo. Putain, j'arrive pas. Oh putain. Mais dis des lettres, frère, je sais pas. Je te jure que toi, tu voulais, tu vas faire. Mais oui. Putain, roube la botte. Mais oui, voilà. Putain, c'est pas possible, t'es trop mauvais. Tu me dis non en plus. Tu m'as dit quoi? C'est un rapport avec Dofus, c'est ça? J'ai dit, oui, je sais pas. Oula, un fou à 1397. Ah bah c'est sûr, une invocation donc. Donc en fait, le plus gros roxeur depuis le début, c'est le Lossa. C'est dommage. Non, le plus gros roxeur, c'est le Dragonnet. C'est cacahuète. Ouais. Dédicace à Benenut. 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 J'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, il me l'a dit quand je me suis connecté. D'ailleurs, est-ce que tu sais la signification de plop? Non. Bah moi non plus. Ça veut dire bonjour logiquement, enfin salut. Mais dans quelle langue? Bah dans les... tu connais pas les plop? Plopper de plopper de plop. Bling. Plop. Attends, je sais pas, tu vas jamais. Ouh. Au McDo et tu dis au mec plop. Tu dis à ta mère plop. Tu te réveilles. Plop. Salut. Eh, plop maman. Le SRAM qui a fait quand même une grande baffe. Deux arnaques. On se demande douzième où il a fait tour. Sans plège réflexe, si fin quand même. Oh là là, je me le rends aussi. Hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'il est là. Pourquoi elle a foutu 3 bombes? Enfin, 3 différentes surtout. Ouh, invisibilité d'autrui. On voit que la roublard après dans la converse, on va un peu l'engueuler. Mais c'est une anglaise. Eh ben on va l'engueuler en anglais, on s'en fout, moi je connais plein de gros mots en anglais. On s'est dit, you fuck my wife. Oh bah pas grave. Motherfucker, you fuck my wife. Et tu l'engueules en français, mais qu'est-ce que tu me râles, me faire ouvre la boîte, bordel. Kaboum. Ah, il le boost. Et il tape le double de son équipe. Hein. Cherche pas à savoir. Ouh, un mur de bombes. Ouf. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il augmente les PA, je pense. Qu'est-ce qui branle? Eh ben, j'espère que vous aurez le courage de regarder cette vidéo. Hein. Ouais, franchement, le pendu était assez épique. La pêche au homard. Homard, franchement. Bon, le homard a bien sauté vers la fin pour éviter le canard pêche. Oui, carrément, quoi, mais... Ça a pu aller. Voilà, donc la bombe qui n'a servi absolument à rien. Tué sous une épétoche. La yopette qui se fait des buffs. Il y a pas une coco, bientôt. La yopette qui a des couleurs horribles. Voilà. Le jaune. Le blanc jaune. Le blanc jaune, je suis le yopette. Alors, oh, je sais ce qu'on va faire. T'es très fort dans le niveau Dofus quand même, ouais. Hein? Tu étais très fort dans l'univers Dofus. Ça dépend pourquoi. Pour le PVP, je vais, je vais mes noms dans les noms et tout ça. Ouais. Ah. Je vais te dire les lettres et tu dois me dire un élément dans Dofus par rapport à la lettre. Ah oui. Bah vas-y, ça va être facile. A. L'arbre ancestral. attends, moi, toi tu dois me dire une lettre aussi. Z. Z. Oh putain. Tu fais partie de l'alphabet et oublié de trouver. Il y a rien avec Z de Dofus. Peut-être un enculé, quoi. Moi je t'ai dit une bonne lettre et tout. Euh...
Putain, Z. Ouais, Z. En plus, je suis sûr qu'il y a des mobs et tout ça qui commencent par Z. J'en sais. Quoi? Z. Ah. Z. Qu'est-ce que... Ouf, la méchant 58. Oh, mort du Doppelo, ça. Dommage, je l'aimais bien. Ouais, voilà. Cacahuète. Cacahuète. Et il est quand même 22h30, hein. Le combat a commencé depuis 1h15. Eh oui, attends, oui, on va regarder Camtasia. Voilà, 1h05. Oh non. On est désolé. Voilà, bon, je suis désolé. Notre bonne humeur va vous faire rire, donc ça va. Bon. Bon, dis-moi une lettre. Mais mais toutes les lettres sont faciles, je sais pas moi, W. Ou Habit, hein, voilà, c'est trop facile. Ouh, les coups de bâton brel. Ouh, la SRAM qui a plus beaucoup de vite là. 542. Ah, maintenant, un peu de culture sur les persos, les joueurs de Dofus qui ont marqué depuis les débuts. Ah ouais, donc moi je te dis Sermons, tu connais? Non. Non mais attends, je vais te dire des trucs et tu vas me dire si tu connais. Le premier niveau de 200. Rambo PL. Ouais. Le joueur dont s'est inspiré les Yuliettes. Yoi. Yoi le SRAM. Qui avait vraiment, ses vidéos m'ont beaucoup plu. Ouais, c'était des vidéos énormes. Un des sacris les plus puissants. Cruor. Ouais. Y a Cruor ou comment. Ouais, Fléo. Et il y avait qui? Opreti. Non, c'est pas lui que je cherche, c'est putain. Un sacri qui est monté 200 de moi là-haut. Qui avait une team qui faisait du... Comment ça s'appelle ça? Les fantômes Pandawa là. Les grobes. Ah les grobes. Ouais, je me souviens pas. Il y avait un sacri qui montait au grobe en deux mois, 200, je sais plus c'était qui. Avec les châtis sagesse à ce moment là. Oh ouais, magnifique ça. Celui qui a le plus XP en 24 heures. Je t'expulse. Non. Château Foucache. Ouais. 5 millions de bâtards. 5 milliards. Parce 5 que 5 millions, ouais. Je peux le faire, hein, franchement. 5 millions, c'est petit, hein. Et ce soir. Après le combat, on commente l'autre combat. Putain, j'espère qu'il va avoir du rock dans ton combat à la con. Parce que je te jure, sinon je serais dégoûté. Oh, j'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Mais il y a Sylvos. Alors, Sylvos en force. Voilà, il risque de se faire démolir. Et qu'on gagnait par forfait tout à l'heure. Ouais. Putain, elle remet sa puissance, Sylvestre. Oh, j'en ai marre. Oh, putain, j'ai envie de l'insulter. Elle est où la Yopette? Est-ce qu'elle peut terminer la SRAM? Où est la SRAM? Elle est là. Elle est invisible. Bon, je crois que le SRAM va pouvoir. Une heure de match, c'est abusé, hein. Ils font chier. Ouh, il y a une coco d'Yop. Où est-ce qu'elle est? Vous allez nous féliciter, on n'a pas arrêté de parler moins d'une minute pendant une heure, hein. Voilà. On a fait que ça, parler. Qu'est-ce qu'elle fout? Et pendant une heure, on a fait des conneries. Ah, elle met de l'érosion. Mais qu'est-ce que tu branles? Mais t'as un sort qui s'appelle Boom, tu l'as pas laissé niveau 1 quand même. Et t'as un cash aussi. Là, en plus, elle avait 5 PM ou quoi? Salope. J'espère qu'elle regardera pas la vidéo. Mais c'est une anglaise de toute façon. Salope, ouais, ça veut dire bonjour madame. Alors salope, ça veut dire tu joues bien. Bon. On va commenter ton stuff. T'as changé d'anneau. Ouais. Et il est lié au personnage, en plus on l'a créé juste pour moi, tu vois. C'est que le 10785e dans le monde. Par contre, pour avoir le niveau pour le mettre, j'ai chié, hein, franchement. Ouais. T'en as chié, je pense, ouais. T'as XP où pour avoir ce niveau, quand même? J'ai parlé à un gars, il m'a mis niveau 1 direct, mais... Par contre, pour trouver chance, les... pour mettre les couleurs, j'ai eu du mal, hein, franchement. Ah ouais? Il y a 6 couleurs à choisir, putain, c'est dur. 6 couleurs?
Allez, l'invita de la IOP qui remonte. Je sais pas où ils sont allés nigoter leurs ailes, mais ils les méritent pas. Allez, mes repérages. Voilà, tu pousses et tu vas le tuer. Peur. Allez. Peur. Dans Attendez, mon plat je vidéo, tu mettras l'ennui le plus total. Combat de merde. Ou tu mettras ZZZ, tout simplement. 3 PM. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ah, il avance. Allez. Arnaque. Ça passe. Deuxième arnaque, ça passe. Et c'est un. Où est-ce qu'il est? Il est où? Il est où? Monster kill! Attends, je le cherche! Vite, c'est le premier kill! Ah non, c'est pas le premier kill! Si. Bon, non? Si. Ils sont plus que 5. Monster kill! Bah, mais non, ils sont pas plus que 5. Ah si. Ah non, y'a l'Ossa qui est mort. Pas voulu suivre ce combat, alors. Y'a l'Ossa qui est mort. Ah merde! La cacahuète. En fait, c'était pas le Doppelossa, c'était l'Ossa qui est mort. Ouais, bah bien fait. Et j'espère qu'ils vont tous mal. Putain, c'est nul, y'a même pas le. Putain, maintenant là. La sadie qui fait durer le combat. Je te jure, je tiendrai pas jusqu'au 20ème tour, hein, je le sens, ça va pas être possible. Et t'imagines le nombre d'XP que j'aurais pu me faire avec Massacri le temps qu'on perd à commenter ce vieux combat à la con. Sans déconner là. C'est pas faux. Sachant que je me fais 500 000 à 1 million à la minute, plus ou moins. Fait de ça depuis 72 minutes, donc ça faisait 72 millions, donc ça faisait plus ou moins 10 niveaux à Masram, donc Massacri, donc elle serait peut-être déjà 150. Ouh. Bon, t'as toute la nuit, hein. Ils ont fait des dommages. T'as toute la nuit. Le combat peut commencer. Et le combat a commencé. Il pique les yeux ce combat. Ouais. Non. 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 Ou alors. Faudrait qu'on se fasse du Minecraft aussi. Ah ouais. Mais t'as Minecraft. Ça pourrait être sympa. Ouais, non, j'ai Minecraft. On pourrait faire une petite série. Ouais. En plus, t'es en passé en 1.3. Parce qu'on peut faire des serveurs en LAN maintenant, c'est super facile. Il suffit d'avoir un machi et c'est bon. Je vais pas le dire fort, je l'ai croqué. Ah, moi aussi je l'ai croqué. Mais j'ai le vrai, hein, mais je l'ai croqué. Ouh, des dommages. Non, non. On l'a pas craqué, on l'a acheté, un tapis. Des dommages. J'ai. Ouh, 3 coups de bâton brel. On a acheté le jeu, 20€, un tapis. Oui, on l'a acheté. On l'a acheté. Vous croyez vraiment qu'on est des Oui, on l'a acheté. Et vous croyez que... Nous l'avons acheté. Et non. Il l'a pas craqué, Captasia. Il l'a acheté aussi. Oui, je l'ai acheté. Bah attends, on est pas des voleurs. Hein. Peut-être que... Ruchu va gagner. Qu'est-ce qu'il fout que c'est bon. Oh. Il va se mettre dedans, ce coup. Roube la botte, oui. Oui. Non, là ça dit errant. Là en puissance sylvestre. Ah peut-être elle est sous surcharge, ça je sais pas. Allez. S'il te plaît, montre-nous la. Oui. Mais quel gros. Mais quel con. Il a tapé tout son ennemi. Il est con. C'est SPA l'ennemi quand même, putain. Mais c'est pas quoi en fait. Mais il a des buffs là, ça dit par contre.
plein de sons que je sais pas ce que c'est. Ah, il est bien celui-là. Quand il fait une connerie. C'était la blague pourrie oh du là jour. Oh là là, je préfère me mettre le finger in the nose de comment qu'est-ce qu'en bas. De quoi? Je préfère me mettre le doigt dans le nez que comment qu'est-ce qu'en bas. Même finger in the ass. Roulement de tambour. Gonna get it, get le blond. Ouh, coup d'épée toche. Elle a utilisé boum. Oh putain. Oh, elle a trouvé le sort. Ouh, le crack a plus que 440 PV. Je crois que layup elle s'est découverte. 264 PV. Oui. Le crack il va crever. Elle fait dans ce combat, hein, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il au faut... début du combat, ils savaient pas jouer leur perso, là ils ont un peu appris. Non, là. Ils apprennent tout au long. Ils commencent à jouer avec. C'est cool ça. C'est intelligent ça. C'est bien ça. C'est bien. Bien joué. Bien. Putain, ça fait mal aux oreilles ce truc. C'est quoi comme portable? Il est en bon son. C'est un GSM chinois que j'ai importé de Tokyo. Ou de Hong Kong, je sais plus. Made in China. Mais c'est un vrai, c'est un Android, c'est la marque Android en fait, si tu veux. Ouh, le crack, okay. Il va mourir. 27 PV. 27 PV. Je suis pressé qu'il meurt. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tue l'arbre? Faut pas déforester la planète. Faut pas déforester la planète. C'est pas bien. Le SRAM. Eva Jolie, elle va pas être contente. Qui? Eva Jolie. C'est qui ça? Ah, Evangeline. Oui. Non, Eva Jolie. Moins 27 en sournoiserie, mort de os marin le gras. Oui. Tu connais pas Eva Jolie? Ça me dit rien. Bah, c'est les verts, tu sais, c'est la politique verte. Ils sont bio. C'était un combat de merde. C'était un combat de merde. De merde. De doigts de merde. La commenté jusqu'au bout. Y'a des pas de gens qui rotaient. On s'est bien fait chier. C'était un combat de merde. Combat de merde. On l'a quand même commenté. Et on n'a pas arrêté de parler pendant tout ce combat de merde. Moi je te propose qu'on aille se faire du Minecraft en direct après, non? Bah on doit pas commenter le vrai combat. Oh merde j'avais oublié. Si bah si on va le commenter. Et j'espère qu'il va être mieux parce que franchement, là j'ai préparé la corde Capi, j'ai préparé la corde, elle est juste à côté de moi. J'ai un arbre dans le jardin. Et je serais pas me suicider. Moi ça va, il y a un balcon à ma chambre, si je saute je devrais me casser les deux jambes. Oh nickel. Faut que je saute bien mais il y a moyen. Pour fêter ça, je vais me manger une violette. Et 3 jours ouais. Un paquet, assez long quand même. J'en mange pas beaucoup. Et bah pour le combat suivant, si vous l'écoutez, vous allez m'entendre mâcher parce que je vais graille. Tu vas graille. Je le dis tout de suite. Toi aussi t'as le swag. J'ai le swag. Toi aussi t'as le swag. Je vais graille. Et on s'en jaille. On s'en jaille en regardant ce combat, wesh. Wesh. On est totalement pété, ça va de plus en plus loin parce que je m'emmerde. Voilà, mes fingers sont presque à mon cerveau. Mon cerveau. Et bah faut pas trop le faire parce qu'après ça diminue l'intelligence. Ouais. Homer Simpson. Il y en a qui finissent mal, regarde cette chiopette, elle a dû se mettre la main complète, elle, dans le crâne. Elle a cru qu'en fait, les pétoches, c'était un cure-dent. Il l'a enfoncé dans le pif. Voilà. Elle s'était littéralement enfoncé. Dans le nez, hein. Dans le nez, je précise. On lit des conneries, quand même.
Allez, combien de PA? Moi je comprends pas pourquoi ils ont pas enfin le Ghoul Terminator d'avant, c'était accepté putain, j'arrive plus à parler là. Les combats. les boucliers. Ah non, c'était au tout premier ça, les boucliers. Mais ils ont trouvé que ça désavantageait trop les gens qui avaient le grade 10. Parce que Gultar avait offert à son serveur Automustam le grade 10 plus les boucliers de Amaknage est parfait donc. Qui ça? Gultar, enfin le vrai Gultar quoi. Qui Gultar? Ben c'est un MJ mais je sais pas c'est qui. C'est Malvadar Bazar là. Et il Malvadar a offert Jean. À tous, ben, tous les joueurs de Automustam, il leur avait offert le G10 plus le bouclier Capitaine Mamakna. Gueule. Bah ben ouais, c'était stylé comme eux, ils ont pas drop, enfin ils ont dur à faire du PVP, ben voilà. C'est vrai. Mais c'était l'année où c'était Alt F4, Alzetti et tout ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Et Clapif, si tu vois. Tu vois ah oui, je connais. Oh putain, Clapif, il a vendu du rêve l'année passée. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Lui, c'était un bon de Silvo aussi. Qui est parti. Ah, mais il. Qui a arrêté de jouer. Il a arrêté? Bah oui, depuis qu'ils ont retiré Rico, puis ils l'ont arrêté. C'est. Parce que franchement, c'était un dieu quoi. Et Clapif contre Maltese Killer, je crois que c'est le plus beau combat que j'ai jamais vu. Ah ouais. C'était énorme quoi. Premier tour, roulette. Quand tu mets Clapif dans ce combat, c'est bon, hein, il te change le combat. Hein. Ah mais c'est vraiment l'année passée, c'était les EK. Mais c'est ça que je me répète, mais comme les EK ont vraiment massacré le combat, enfin le Gultar l'année passée, j'ai peur que comme ils ont eu une magie derrière, j'ai peur que comme c'est les roublards qui entre guillemets surpassent les autres quand ils enfin quand c'est bien joué. J'ai peur que les Roblas se prennent une grosse mise à jour après le Gulta. Ça me fait très peur. Et là, cette griffe fait rien. Et on est au 17ème tour, donc ça va faire un match nul, voilà. Non, non, c'est 20ème tour, hein. Il reste plus que la Sadi, c'est jouable. Ouais mais la Sadi attend le match nul là, c'est logique. Bah ouais, elle a plus que 1500 PV je crois. Ouais. Il devrait réussir à l'avoir, non? Enfin je sais pas. Par contre si elle a une puissance sylvestre, ça peut casser les couilles. Hein. Mais c'est tous les 10 tours je crois, puissance sylvestre. Non c'est pas possible. Oh elle a la coco en plus la Yopette. Elle a rien réussi à placer tout le combat en fait. Coco sur l'arbre. Oh le Coco non. Sur Sram, vas-y. Elle se trompe de raccourci, Coco sur le Sram, one shot. Oh putain. Et puis là elle fait oh merde. Mince. Je voulais pas faire ça. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle dit fait. Elle cache la ligne pour les nids. Bien joué. Surtout que le SRAM avait largement la place et les PM. Ah non, peut-être pas. Oh, ils ont donné 2 PA à l'arbre. Et deux PA à l'arbre. La visibilité et elle est top. Et R2 top. Et le SRAM qui va terminer, j'espère. Pour conclure ce combat. S'il vous plaît. Il est presque 23h quand même. Carrément. Ouh, bâton près le coup critique, allez, finish here. Quand même 18 tours pour avoir ça quoi. Je suis du combat que j'ai filmé en 30 minutes, mais lui... 1h24. Oh, 1h30 quoi. Oui, c'est terminé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouais, on peut vous dire au revoir enfin. Allez, ciao, j'en ai marre. Merci d'avoir regardé ces combats. Salut à tous. Merci, salut.